1977, l'année des illusions perdues. Je commençais l'année du bon pied, le samedi soir sur le pas de roc et le reste de la semaine sur le pied de guerre. Car si je savais danser le roc fin janvier, je n'en avais pas oublié pour autant mon vélo. Le 30 janvier, j'avais très exactement 500 km de roue fixe à mon actif. J'allais presque toujours m'entraîner seul. Les copains, ayant des roues libres, préféraient déjà s'entraîner dans les côtes. Le 26 février, je participais à ma première course de l'année, première étape du Giron Nord-Jura, où je terminais sixième, à 2 minutes 9 secondes du vainqueur. Ce classement me faisait voir une légère amélioration par rapport à la même course une année auparavant. Le samedi suivant, j'allais créer la surprise générale. Toujours sur le même parcours, arrivé proche des mosaïques romaines, à 3 km de l'arrivée environ, plus personne ne voulait faire la course en tête, de peur sans doute de se fatiguer avant la ligne ou encore de devoir lancer le sprint. La vitesse du peloton était rendue si faible que si des spectateurs s'étaient trouvés aux abords de la chaussée, ils auraient pu courir à nos côtés en nous encourageant. Me connaissant et sachant que je ne pouvais pas rivaliser avec les sprinters, je décidai de mettre un terme à ce comportement ridicule. Sans placer de démarrage, je continuai ma route comme je l'aurais fait lors d'un entraînement ordinaire. Comme j'étais l'homme de tête, je n'avais personne à mes côtés. Je jetais machinalement un coup d'œil par-dessus mon épaule pour surveiller si un démarrage n'allait pas me surprendre d'un seul coup. C'est alors que je m'aperçus que personne ne s'était même donné la peine de suivre mon rythme. Personne ne réagit? C'est pas croyable! Je me retrouve exactement dans la même situation qu'au cours de répétition. Ah, vous ne voulez pas réagir? Eh bien, prenez votre temps. Moi, je démarre. Je plaçais alors un démarrage si puissant qu'à 2 km de la ligne d'arrivée, j'avais plus de 150 mètres d'avance sur le peloton. Je mettais en jeu tout ce qu'il me restait d'énergie, décidé à me battre jusque sur la ligne. Un seul homme parvint à sortir du peloton en furie et me rattraper. Gilbert Bischoff. Nous n'étions plus au cours de répétition, et cette fois-là, c'est lui qui avait choisi son braquet, et non l'armée. Il était dans son élément, et voulait prendre sa revanche sur sa quatrième place du mois de novembre. Je lui avais ravi la coupe de compagnie pour une année, mais il était prêt à me prouver qu'il était toujours là. Il me restait que 500 mètres avant la ligne. Comme il était abrité derrière moi depuis quelques instants, je me tirai de côté pour lui demander de prendre le relais. Mais il n'en fit rien et resta dans ma roue, à l'abri du vent. Je me souvenais alors qu'Henri Gamet m'avait dit qu'un jour, l'un des points faibles de Gilbert était le sprint. Ma réaction fut de me dire « Je vais arrêter de rouler. Il sera bien forcé de prendre le relais, parce que derrière, les sprinters ne sont pas loin. Et s'il les laisse revenir, c'est ni lui ni moi qui vont gagner. De plus, s'il est parvenu à revenir sur moi, il doit bien se douter qu'il ne me reste pas grand-chose comme énergie. Et ce ne sera pas difficile de me battre au sprint. Enfin, c'est ce qu'il devrait penser. Parce que de mon côté, je ne m'avoue pas encore vaincu. » Le peloton revenait sur nous et Gilbert ne réagissait pas. Ce fut à mon tour de me servir de mon raisonnement. Avec l'effort que j'avais produit pour m'échapper, j'avais brûlé toutes mes énergies. Entre le choix de finir deuxième ou dernier du peloton, je prenais le premier choix et recommençais à rouler. D'un œil, je regardais la ligne d'arrivée et de l'autre, je surveillais la roue avant de Gilbert par-dessous mon bras gauche. À 50 mètres de la ligne, la roue de mon poursuivant se déporta brusquement sur la gauche de la chaussée. C'était à moi de jouer.
contractant mes muscles abdominaux, me levant debout sur mes pédales, je lançai mon sprint en me déplaçant à mon tour sur la droite de la chaussée, de façon que mon adversaire ne puisse pas profiter de ma roue pour s'abriter du vent. Malheureusement pour moi, l'urbigène était le meilleur et son boyau passait la ligne une demi-roue avant le mien. Pour à peine 30 centimètres, il m'avait pris la victoire. À la fois déçu et honoré d'avoir pu rivaliser avec le triple vainqueur du Grand Prix des Nations, j'allais tout de même lui dire le fond de ma pensée, avec des termes crus, mais tout de même accompagné d'un sourire sportif. « T'es quand même un beau fumier, Gilbert. Non seulement t'as jamais voulu prendre le relais, mais en plus t'as le culot de venir me battre au sprint. Ouais, j'avais un échec sur la conscience depuis Don Didier. À présent, c'est en ordre, un partout. » Malgré qu'il m'ait privé d'une superbe victoire, il demeura pour moi un bon copain, et je ne gardais aucune rancune à son égard. Sur le journal de la semaine sportive, un journal de Genève, on pouvait lire « À ce moment-là, l'hiver d'Onoa Burdet prit tout le monde par surprise, avec un démarrage. Bischoff allait prouver qu'il était encore capable, puisqu'il fut le seul à s'échapper du peloton et à rattraper le fuyard. L'ancien pro allait l'emporter sur la ligne à l'issue d'un sprint digne d'une grande classique. Suivait à quelques mètres un peloton emmené par Berset, Regamet, Perrier, Musitelli et parmi eux Mercanton, le grand battu de cette deuxième manche. Si cette victoire m'avait échappé, il en était une autre que je me devais de remporter. En automne 1976, papa m'avait demandé si je désirais posséder une voiture, car lui voulait se séparer de sa Peugeot 204 pour acheter une cylindrée plus grosse. J'avais 21 ans, un certain besoin d'évasion, et posséder mon propre véhicule n'était pas pour me déplaire. C'est ainsi que, durant l'automne de 1976, j'avais commencé l'auto-école théorique et pratique avec Madame Chevendi. Chaque fois que je me déplaçais en compagnie de mes parents, c'est à moi que revenait l'honneur de les conduire à bon port. Après quelques mois de pratique, je me sentais assez sûr de moi et prêt à aller tenter ma chance auprès des experts. C'est donc à mi-février que je me rendais à Lausanne pour aller passer mon examen de conduite. J'avais confiance, car à plusieurs reprises, les samedis matins, je m'étais rendu à Lausanne en compagnie de notre enseignante et quelques élèves afin de nous familiariser avec la ville. Au fil des heures, je m'étais habitué à l'intensité du trafic lausannois. J'avais aussi appris à connaître les pièges dont les experts se servaient pour faire faillir les jeunes élèves. Pourtant, mon heure venue, j'allais tomber dans le piège que j'aurais pu apprendre à éviter même à Yverdon. Le parkage. En effet, il me fut difficile de stationner latéralement dans une côte en marche arrière. À ma première manœuvre, je touchais légèrement le mur. Ma maladresse fut néanmoins si infime que l'expert ferma les yeux et décidait tout de même de partir en ville. Intérieurement, je pensais avoir échappé à sa vigilance. Il est naïf, cet expert, ou myope. Il a pourtant regardé avec attention l'arrière de la voiture avant de partir. Bon, comme il le fait peut-être avec chaque élève. Hein. S'il avait vu une marque, on ne serait pas parti. Naïf n'est pas toujours celui qu'on croit. Il avait pourtant vu ma faute, mais celle-ci, ayant été si minime, il avait décidé de me faire plonger cette fois-ci avec un petit jeu dont personne ne revient. Même pas les conducteurs chevronnés. Dans un carrefour, à chaussée étroite et sans aucune présélection ni signalisation, je m'arrêtais pour céder la priorité à un autre usager venant de droite. Même si ce dernier ne sembla guère gêné pour éviter notre véhicule, l'expert jugea que mon arrêt avait fait obstruction. Je compris alors que l'expert avait remarqué que j'avais touché le mur lors du parkage latéral.
Mais pour rendre plus évident mon échec, il s'était arrangé pour me piéger dans une manœuvre où 7 élèves sur 10 auraient échoué. Le 14 mars 1977, à ma deuxième tentative, je repartais de Lausanne Blecherette, la joie au cœur. J'avais réussi cette fois sans avoir été pris une seule fois en faute par l'expert. Je venais de gagner une étape, mais la course n'était pas terminée. Le 2 avril, j'allais tester mes capacités sur le plan national à Genève, lors du Prix Suse. Je me doutais bien que cette compétition serait d'un niveau plus élevé que les courses du Giron et que les 2e, 5e, 6e, 7e places ne seraient certes pas dans mes compétences. Mais tout de même, un vélo neuf, 2410 km de course et d'entraînement, j'avais bon espoir. Énorme déception. C'était la première course ouverte de l'année et je fus contraint à l'abandon sur ennui mécanique. Moi qui, jusqu'à ce jour, avais pu dire avec fierté « Je n'ai jamais abandonné une course », j'allais hélas être mis devant le fait accompli. L'une des rattrapes de mes pédales avait cassé et ma chaîne était grippée. Je possédais du matériel entièrement neuf et pourtant, j'étais victime d'ennui mécanique. L'automne précédent, les mêmes incidents m'étaient arrivés, et cela ne m'avait pourtant pas empêché de terminer. Mais cette fois, j'avais beau vouloir, je ne pouvais continuer. Sur un tour de pédale, j'avais 3 ratés. Comme le dit si bien l'expression, et c'était réellement le cas, je perdais les pédales. Ce forfait, indépendant de ma volonté, était un de trop. Il m'avait tellement blessé psychologiquement que ce jour-là, je prenais une décision irrévocable. C'est fini. Je ne reviens plus courir à Genève quand il pleut. 3 fois, je viens courir à Genève. 3 fois, je suis pratiquement hors course pour des problèmes techniques. Non, c'est fini. Quand un matin de course, à Genève, j'ouvrirai les volets et qu'il pleut, je me recouche immédiatement. Plusieurs raisons expliquaient ce coup de tête. La première était que je n'avais rien à me reprocher concernant l'état de mon vélo. Mon vélo était entièrement neuf, bien rodé, et ne nécessitait aucun changement, ni de chaîne, ni de rattrape. La deuxième raison, et non des moindres, était que pour la première fois, je me trouvais dans un peloton de tête, à 20 km seulement de l'arrivée, et sur un parcours qui me donnait toutes les chances de terminer avec les hommes de tête. Mais je n'avais pas le droit de désespérer, car nous n'étions qu'au mois d'avril, et j'avais toute une saison pour montrer à mon entourage que cette année 1977 allait voir enfin tous mes efforts récompensés. Je m'étais battu avec patience et persévérance durant des années pour me faire une place parmi les leaders, et j'avais l'impression que cette saison allait enfin récompenser mes efforts passés. Train a-chugging down the track, gotta travel on, never coming back. Ooh, got a one-way ticket to the blues. Bye-bye, love, my baby's leaving me. Now lonely teardrops are all that I can see. Ooh, got a one-way ticket to the blues. Cried a tear so well. Choo-choo train, a-chugging down the track. Gotta travel on, never coming back. Ooh, got a one-way ticket to the blues. Whoa, got a one-way ticket to the blues.
hotel. A fool such as I there never was. I cried a tear so well. Choo-choo train a-chugging down the track. Gotta travel on.